Je suis très heureuse, personnellement, que nous soyons à l'heure de la modernisation, parce qu'on peut dire que voir des bus électriques, c'est pas courant dans toutes les universités, dans tous les campus. Ça sera très utile, parce qu'il faut dire qu'il ne faut pas courir de très grandes distances ici sur le campus d'un bout à l'autre. Donc ces bus viennent vraiment répondre à une grande nécessité. Et nous sommes très heureux pour cette offre de Bolloré et très impressionnés également. Et comme l'a dit le président de la République, nous allons savoir en faire bon usage et je pense que cela va nous aider pour la formation de tous les étudiants. Nous sommes heureux d'avoir reçu ces bus-là parce que voyez-vous, lorsque les étudiants descendent des bus et qu'ils doivent rentrer sur le campus, ils parcourent au minimum 3 km, soit par l'entrée CHU ou par l'entrée école de police. Et en saison pluvieuse, il y a des étudiants qui se retrouvent avec leurs documents tout mouillés, sans parler des différentes difficultés dues à la marche parce que l'enseignant est peut-être déjà en amphithéâtre. Avec ces bus électriques, nous croyons que les étudiants seront désormais soulagés de cette longue distance qu'ils parcourent puisque les taxis n'entrent plus à l'université. Donc le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. C'est-à-dire merci au chef de l'État, merci au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, mais également merci au groupe Bolloré, donateur de ces bus-là.